Lundi 24 avril 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Ce samedi, le monde a célébré la journée de la Terre. Le premier jour de la Terre est né aux États-Unis. En 1970, 20 millions d'Américains, soit 10% de la population du pays à l'époque, s'engagèrent dans la lutte. La grande manifestation écologique de l'histoire concrétisée par des événements coordonnés à travers tout le pays. En 1990, le réseau de la Journée de la Terre a élargi cette journée au niveau mondial en organisant des célébrations et des actions dans 142 pays. En 2009, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution reconnaissant officiellement cette journée comme la Journée internationale de la Terre nourricière. Le jour de la Terre est aujourd'hui reconnu comme l'événement environnemental populaire le plus important au monde où plusieurs manifestations qui soutiennent la protection de l'environnement sont effectuées. La Journée de la Terre mobilise en effet les citoyens, les associations, les entreprises et les gouvernements dans une lutte collective contre l'exploitation irresponsable des ressources planétaires par les activités humaines. Au Bénin, Sandra Idossou a tenu son réputé éco-randonnée pour marquer le Jour de la Terre sous le thème « Investir dans notre planète ». Hier dimanche, la célébration du Jour de la Terre s'est poursuivie avec Sandra Idossou à travers un pique-nique en pleine nature. Vous en aurez le point dans nos prochaines éditions. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Ce lundi, nous vous proposons trois reportages dans l'univers des produits bio. Direction marché des fruits et légumes de la Haie Vive, où les consommateurs sont férus du bio. Cotonou, quartier de la Haie Vive. Dès le matin, hommes et femmes ici s'activent. C'est le marché du coin, un marché, pas comme les autres. La particularité de ce marché est que nous vendons que des produits bio. Tous les jours ici, fruits et légumes s'arrachent comme de petits pains. On retrouve toutes sortes, même quand ce n'est pas la saison. Nous, on retrouve à la Revue parce qu'on fait tout, on va vers d'autres pays pour chercher, tels que Lomé, la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays encore. Localement, ce site de production maraîchère bio fournit bien des légumes aux femmes du marché. Bio, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les produits que tu as, toi-même tu as réunis et c'est pourri, comme les trucs de tes potoirs. Les potoirs là-bas, on creuse, on amène les choses et on met sur la planche. C'est trois brouettes qu'on met sur une planche et on remue. Après avoir remué maintenant, tu dresses la planche. Tu dresses la planche, si c'est la carte que tu veux faire, si c'est la salle que tu veux faire, tu sais comment tu vas séparer la planche. Les produits bio sont aussi très utiles pour enrichir vos terres, une fois qu'ils deviennent des déchets. Plusieurs producteurs en raffolent d'ailleurs pour leurs planches. Comme le disait si bien Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Carottes, légumes, zucca,
nous y ont mis tant les jeux et tout double bio na boka les le boulet d'auto na bio et notre dodgy et nous y a un player nous avons un maga moi et bédion et si bloc 2 semaines 3 semaines ou voiture à l'amour que vous voulez le parce que les soirs et le monde est sous moi des sous notre dodgy bonnet. Au marché de fruits et légumes de la Haie Vive à Cotonou, un point d'honneur est mis sur la présentation des produits. Nous y avons des gens qui nous ont fait. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Chef Maëlle Miwa, ce matin, fidèle à ses habitudes, Chef Maël vient chercher quelques fruits qui apporteront un plus à ses pâtisseries sans gluten. Et comme c'est des produits bio aussi, le prix est un peu élevé. Bio et on va y perdre. Mamadou fait le plein de sa voiture. Tous ses fruits et légumes sont destinés à une clientèle située à Kétou, à l'intérieur du pays. On vient ici à s'approvisionner en fruits et légumes toutes les semaines. Comme les ananas, la salade, tout ça là, ça doit rester à l'intérieur. Oui. C'est des légumes bien sélectionnés. Hein, c'est des fruits. Ça, il y a la qualité aussi qui est quoi. Bonne qualité. C'est bio. Bio. Les pommes de terre bio aussi. Par rapport aux produits provenant de l'agriculture classique. Vous allez être bluffé par la différence de goût et vous allez de nouveau apprécier manger les fruits et légumes. Chef Maël, que nous retrouvons au marché, nous propose d'ailleurs 2 desserts avec ces produits bio achetés au marché de la Haie Vive. Administrativement appelé marché de fruits et légumes Moévedo et populairement marché de fruits et légumes de la Haie Vive, ce marché tant prisé aujourd'hui n'a pas toujours été installé sur ce site. Notre marché, les cocotiers marchés de fruits et légumes, a commencé par ce terrain. Au début, lorsque la boutique nous avait renvoyé, c'est ici qu'on nous a octroyé, le délégué adopté nous a octroyé cette place qu'on a aménagée pour le marché. Donc on se trouvait ici quand en 1998, on nous a appelés à la mairie pour nous demander est-ce qu'on ne voudra pas octroyer cette place au collège, comme il n'y a pas de collège pour nos enfants dans le quartier. Et j'ai accepté, j'ai signé le papier. Et c'est comme ça que 2 ans après, on est venu nous enlever et on nous a donné la place où nous sommes actuellement. Et c'est ainsi que le collège a été transféré ici pour le quartier. Donc c'était l'ancienne place du marché. Pour maintenir notre marché, on travaille un peu en association. Nous avons en tout et pour tout 32 rangars, dont 22 femmes. Comme pour montrer l'exemple, ces femmes du marché n'hésitent pas à cuisiner leurs produits devant leurs clients. Une des standards aujourd'hui, légumes le même bleu, carottes, choux, haricots verts, et persil et oignons. Le même bleu, rien que là, on a quoi. Bien sûr, c'est ça, parce qu'elle va d'abord dans le bio, même le fait, donc c'est bon pour la santé. De son côté, Chef Maël, sur son plan de travail, concocte 2 recettes savoureuses de pâtisserie sans gluten. La mangue et l'avocat, pris un peu plus tôt au marché de la Haie Vive, sont les produits phares du jour. Une tuile de bissap par-dessus. Magnifique bissap.
Nous avons trois parfums, un cake vanille à la base, ensuite une mousse au coco et une gelée à l'avocat au-dessus. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Retrouvez l'ensemble de nos programmes qui vous engagent à la protection de notre terre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et www.planeterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.